Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien mes amours. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de décembre. Et hier j'ai mis mon sapin etc, j'ai commencé à décorer Noël, c'est tellement beau. Et du coup je me suis dit pourquoi on ferait pas Noël maintenant. Mais genre un mini Noël, pas le vrai Noël parce qu'on refera Noël bien évidemment le 24 décembre. Mais genre une sorte de mini Noël. Et vu que Lilou, Sohan etc sont à l'école et qu'ils sont pas du tout au courant, je me suis dit qu'on allait leur faire la surprise avec monsieur qui est là, il se cache. Voilà, revenant sur la chaîne, on est trop contents. Donc mes amours, on s'est dit du coup avec mon chéri qu'on allait aller leur faire la surprise pendant qu'ils sont à l'école. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller acheter plein de cadeaux. On va les disposer sous le sapin, on va préparer une table de Noël etc. Et ils pourront ouvrir tous ces cadeaux, découvrir tout ça et vous allez les découvrir avec nous. Vous allez venir avec nous au shopping pour voir ce qu'on va sélectionner. Et aussi vous allez assister à l'ouverture des cadeaux en avance. Est-ce qu'on n'est pas des parents géniaux? Si! Je vais t'acheter un petit cadeau. Tu l'as pas. Donc mes amours, voilà. Alors aujourd'hui on va faire ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout à l'heure on ouvrira tous les cadeaux avec Lilou et Sohan. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, tu likes, tu t'abonnes si c'est pas encore fait. C'est gratuit et ce sera mon cadeau de Noël. Voilà, il faut aussi bien me gâter mes amours. Je vous gâte moi en décembre. Allez, c'est parti. Vous avez vu ma mèche? Elle est cute as fuck, non? Bon mes amours, regardez comment je suis équipée pour affronter le froid. On sait comment il fait froid. Regardez, j'ai acheté ces petites bottes. On dirait un petit esquimau, c'est trop mignon. Ça commence fort. Donc, bref, on y va. C'est bon mes amours, on est arrivé. Premier magasin que je vais faire. Je sens que j'ai trouvé des pépites mes amours, c'est Primark. Comme ça je pense que je vais faire un coffret genre de skincare, produits de bain etc pour Lilou, genre dans une boîte en premier cadeau. Et Sohan en premier cadeau, je pense que je vais lui prendre je sais pas, des trucs de Noël. Oh my god, on a failli nous rentrer dedans mes amours, les gens ils sont zinzin en période de Noël, vraiment. Donc voilà, je pense que, je sais pas, pour Sohan je vais voir, mais je pense que je peux trouver des pépites là-bas, donc let's go. Là mes amours, il y a des trucs trop mignons, je vais faire le coffret. C'est trop beau, il faut juste que je trouve un coffret. Et d'ailleurs on va même prendre un cadeau pour mes chiens, je vais y avoir un rayon chien là. Donc, alors attends, regarde, déjà là il y a des bouts de vin. Ça c'est trop mignon, on est d'accord, je crois qu'il va kiffer. Là c'est un miroir. Un miroir Stitch, je crois elle va kiffer. Bref, il y a vraiment trop de beaux trucs. Mais en fait je peux pas trop filmer parce qu'il y a des gens. Je crois que je vais faire 5 cadeaux à mes chiens. Donc déjà, des friandises Stitch, c'est la base. Et on verra bien, je vais vous montrer. Oh, il y a des macarons pour chiens. C'est quel genre de mignonnerie ça. Et là il y a une boîte Stitch avec des produits, shampoing, conditionneur, brosse et tout. Je leur prends ça mes amours, c'est incroyable. Il y a des crackers, il y a des crackers. C'est trop mignon. Une machine à cake pop Stitch. Je prends ça pour les loups mes amours et je vais prendre la machine à croque monsieur Star Wars pour Sohan. C'est incroyable. Moi c'est des cadeaux un peu what the fuck tu vois, mais c'est des trucs qui vont pas se douter. Je trouve que c'est trop mignon. On est d'accord. Et il y a aussi une tasse comme ça pour faire des chocolats marshmallow Marvel. Donc je vais prendre ça aussi pour Sohan. Bref mes amours, on se retrouve à la fin de Primark parce que c'est bondé de monde. Et en plus je vais pas vous spoiler tous les cadeaux, je suis pas débile. Vous découvrirez ça en fin de vidéo. Et après on se retrouve dans un autre magasin, je crois on va à la Micromania ou on va voir. Amour, ça y est, là on repart vers une autre ville où on va aller à Micromania, on va aller à Truffaut pour aller chercher pour le repas de Noël ce soir. On va aller au magasin de jouets pour leur trouver 2-3 jouets et je pense qu'on sera déjà full parce que là tout ce que j'ai trouvé c'est abusif. Donc là direction, on va où? On va à Truffaut. Non. Ah ouais? Je sais pas. Ouais si. Okay. Donc mes amours, on va à Truffaut et on va trouver des pépites de Noël. J'ai défoncé la voiture. Ouf. Mes amours, ça y est, on est arrivé à Truffaut. Et là, du coup, comme je vous ai dit, on va aller chercher tout ce qui est vaisselle et tout. Parce que ce soir, repas de Noël. Ce sera quoi le repas, monsieur? C'est saucisse de Noël. Oh. Avec frites de Noël et pommes de terre farcies au bûche. Moi, je crois qu'on va faire un rôti. J'aime bien en plus. Ah ouais, c'est vrai, les rôtis. Avec des pommes dauphines, des petits haricots, ouais, des petits toasts en entrée. Ce sera bien. On a dit un mini Noël. C'est pas non plus. On commence à se lancer dans Maxi Noël, mes amours. Parce que avec les dépenses, ouais, c'est extrêmement cher. Avec la cheminée allumée. Avec la petite. Ouais, voilà, ambiance de Noël, devant un film de Noël. C'est très bien. Oh, musique de Mariah Carey en bas, mes amours. Allez, let's go. J'espère qu'on va trouver des beaux trucs. Déjà, regardez, c'est trop mignon. Moi, vraiment, en Noël, c'est trop ma période presque. Oh my god. Regardez ces petites maisons en pain d'épices.
Je veux ça. En plus, c'est rouge, ça va aller dans mon sapin. Attendez, attendez, là, on est parti dans une ambiance. Maintenant, on pense plus aux gosses. On pense à nous, ce qu'on va faire. Mais en fait, il me faut des petits trucs comme ça parce que vraiment, il y a des trous sur le côté de mon sapin. Waouh, 4,49€ la déco. Eh ben, on va en prendre qu'un. C'est cher, mes amours. Ah, mais ça, par contre, c'est trop magnifique. Pour la déco de table de Noël. C'est beau, ça. Non, regarde ça, la petite déco pour mettre sur la table. Pouvez-vous me dire le prix, monsieur, s'il vous plaît ? Quoi ? 39€. Tu mens. Mais oui. J'ai eu peur. Combien ? 39. Mais quoi ? Bon, elle reste là, mes amours, on va trouver une autre solution. Non, par contre, je veux bien mettre le prix, mais il y a des limites à la connerie humaine. Ça, un petit photophore rose. Par contre, celui-là, il est tellement mignon. Je sais pas c'est quoi le prix, pouvez-vous me dire ? 39 aussi. Non. J'ai pas de prix. Non, mais tu m'as fait peur. Et je la veux, hein, par contre, vraiment. Il y a pas de prix. Prends-en une autre, peut-être sur l'autre, il y a le prix. Ça, c'est trop mignon. On va prendre ça pour la déco de table. 16,99€. Oh, on va aller mollo sur la déco, hein. On va prendre le monsieur. Je te jure. Ah non, ça. Ça. 16,99€. Ah, ça va. Attends, parce que j'hésite avec celle-ci. Elle est incroyable, mes amours, celle-ci. Elle fait très. On dirait une vraie. Elle a des petits smarties et tout. Peux me dire le prix de celle-là ? Ah, bah celle-là, elle est mieux. Non, ça s'allume. Non. Il y a du sac. Non, mes amours, c'est extrêmement rushing. C'est cher, mais elle est belle, hein. Franchement, elle est belle, mais ça vaut pas ce prix, c'est sûr. Putain, mais elle s'allume. Fais voir comment elle fait quand elle s'allume. Non, mais elle s'allume, elle a pas de. J'espère bien qu'elle s'allume à ce prix-là. Ah, ok, y a pas de. Mais en plus, elle a même pas les piles fournies avec pour 89€. Non, mes amours, c'est trop cher. Je vais réfléchir à ce que je prends et je vous montre. Mais franchement, elle est juste après. Oui, elle est incroyable, mais je vous montre juste après. Bon, pour le moment, j'ai pris monsieur à 17€. Hein. Et est-ce qu'il y a pas la madame qui va avec ? Non mais ça me fait chier parce que j'ai un crush. Je suis sûr que tu peux donner à Lilo, c'est le faire. Je suis sûr que tu le fais normal. J'ai un crush, mes amours. Regardez les deux là ensemble, c'est trop mignon. C'est beau de. Parce que la rose, elle est beaucoup moins jolie. Oui, c'est pas du tout le même style, mais bon, ça peut faire son effet. Tu vois, on dirait de la pâte à sel. Bah prends-la, vas-y, j'ai trop un crush. Mais non. Si. Bon, mais là dans le panier, on va réfléchir. Voilà. Je vous dirai si il est resté là ou si la tèche de mon panier. Parce que franchement, Truffaut, c'est extrêmement beau. J'adore ce magasin, mais qu'est-ce que c'est cher. On va pas se le cacher. Attendez, là, il y a des trucs trop mignons. Bon, mes amours, on se retrouve tout à l'heure quand je suis à la vaisselle. Parce que sinon, je vais vous saouler pendant 1000 ans. C'est exactement une table comme ça que je veux. Avec des petites assiettes de Noël trop mignonnes. On dirait les assiettes de ma grand-mère en 1902. Mais franchement, moi, je survalide. C'est tellement ambiance Noël, regardez. On dirait dans les films américains. Il nous faut ça, mes amours. On va aussi mitiger avec Action, parce que pour le moment, on en est là. Regardez le casse-noisette. T'as fait tomber mon casse-noisette. Non, je l'ai mis allongé, sinon ça va. Bon, bref, regardez comme il est beau. Non, mais tu peux abîmer le bois. Hein. Il est beau, enfin, beau, c'est une façon de dire pour un casse-noisette, sinon il fait flipper sa mère, mais bon. Et ensuite, j'ai pris deux petites boules comme ça. C'est tout mince. Du coup, on va partir sur les assiettes et ensuite, peut-être même la nappe. Après, on va voir Action parce que vraiment, je pense qu'on va faire des économies. Bon, bref, vous découvrirez dans la vidéo, du coup, quand je vais dresser la table, c'est quelle assiette que j'ai pris, mes amours, parce que sinon, c'est trop spoilé. Du coup, mes amours, là, on est arrivé à Action. On va se dépêcher parce que là, il nous reste environ une heure pour prendre. On va nous écraser. Il reste environ une heure, mes amours. Il faut aussi qu'on passe à Picard pour aller chercher tout ce qu'il faut. Et Lilo Swan rentre bientôt de l'école. Sinon, la surprise sera gâchée. Donc, on se dépêche. J'ai trouvé ça pour Swan, c'est un tapis de souris Mario et je sais qu'il n'y a pas de tapis, il faut aussi qu'on lui trouve un clavier Micromania, donc on prend. Rayon de Noël, et là, en fait le souci avec Action, c'est que quand on n'achète pas tout de suite dans le rayon de Noël, après il n'y a plus rien. Donc on va voir s'il y a des trucs. Je crois qu'il y a des trucs. Ah oui, il y a des trucs comme ça, mais t'as vu ? Les finitions, elles sont pas ouf, mes amours. Le Père Noël, il a pris un sacré coup de soleil dans la gueule. C'est trop. Tu comprends ? C'est bon, mes amours, on revient de Micromania. On a trouvé tout ce qu'il nous faut. Du coup, on est grave contents. Mission accomplie. Et comme j'ai dit à mon chéri, du coup, ça veut dire qu'on est des parents qui sont capables de faire les cadeaux de Noël à la dernière minute parce qu'on a trouvé plus de 10 cadeaux par enfant, je pense. Donc, ça veut dire, limite, si on n'a pas le temps, le 24, on peut aller. On va trouver. Donc, mes amours, on va emballer tout ça. Je vous montrerai. De toute façon, les meilleurs cadeaux, on les a trouvés à Micromania, mais on vous montrera. On va aller chercher le repas de Noël. Lilou revient des cours, là, donc on va lui donner les clés semblant de rien.
Et ensuite, on va chercher tout ce qu'il faut pour le repas. On va préparer la table, emballer les cadeaux et après, let's go. Mes amours, là, on est... Non, il faut que j'arrête aussi de dire mes amours toutes les deux secondes, on a compris. On est devant chez Picard qui dit un Noël de dernière minute, dit aller faire ses courses et prendre du surgelé parce que grosse flemme, on va voir. J'espère qu'il y a des trucs de Noël, genre des petits sapins, des trucs et tout, on va voir. Vraiment, mes amours, mes chaussures, on dirait des pieds de porc. Regardez comment elles sont petites. Une bûche de Joël. Une bûche de Joël. J'en peux plus de tout. Incroyable, il y a vraiment plein de trucs de Noël. Genre tout ça, c'est des trucs de Noël, je crois. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre au repas ce soir, niveau surgelé? Oh, ben des petits sapins, des mini-burgers. Ok, moi je veux des burgers comme ça, des petites étoiles, des petits sapins. Mais on va pas tout vous spoiler encore une fois. Des escargots. Des escargots. Dégueulasse. On va laisser les pauses. Ah, mais même un genre d'insecte dégueulasse qui bave, on trouve le moyen de le manger. Oh, c'est trop magnifique. Façon pomme d'amour le dessert. Il y en a plus. Il y en a plus. Pomme d'amour, je sais pas qu'il y a des trucs bien. Je pense qu'il y a aussi plein d'autres trucs là-bas. Mais qui achète ça et pense ça dans son sapin, mes amours? Stop au bout d'un moment. Forme de boule de Noël. Vraiment, tout est marketing. Hein. Sérieux. Mes amours, le souci, c'est qu'il y a des trucs pas bons. Enfin, franchement, c'est super joli, mais noix de Saint-Jacques et tout. Enfin, moi, je suis pas une fille gastronomique. Moi, je suis une fille de la tête. Tu connais les kebabs, les burgers, les frites. Tu vois, moi, je suis pas une fille qui mange du chutney, de foie gras, du butternut, de la courge, tout ça. Moi, j'ai pas grandi là-dedans, mes amours. T'as vu, il y a du minito. Vas-y, lui, il va. Je vais le tuer. Tu vois, moi, je suis pas une fille de la cassolette au ravioles. Je suis une fille du flunch. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vas-y, attendez. Je suis en train de faire une pub pour Picard, carrément. Ça, par contre, mes amours, c'est archi mignon. C'est pas pour faire un haul nourriture, mais voilà. Chocolat spéculoos, praliné pistache, marron et griotte. Je pense que les enfants peuvent aimer, donc on va prendre. La base des frites. J'ai trouvé les plus mignonneries du monde. C'est des brioches au beurre, mais genre comme ça. Ça, c'est trop mignon. On prend ça comme dessert. Par contre, c'est un peu cher. 4 euros, c'est cher. Oh. Là, j'ai trouvé des dingueries. Je pense que je vais prendre ça pour soigner Lilou. C'est des petits bonhommes. Vraiment, je prends trop de trucs, mais je prends vraiment pour Noël, en fait. Parce que je sais qu'après, il n'y a plus rien. Et après, je vais prendre des trucs comme ça, cookie vanille. Ça a l'air incroyable. 14,50 euros. T'es sûr de ton idée? On va rester sur les bonhommes de neige. Là, je viens de voir une bûche, elle est incroyable. Je me dis, ça va jamais tout ça rentrer dans notre ventre, mes amours. Je sais que c'est Noël, mais quand même. Donc, il y a ça, ou alors il y a ça. Oh, c'est tellement beau, je crois que je vais reposer des trucs pour prendre soin l'un des deux desserts. Oh, ouais, c'est beau. Mes amours, on est rentrés. Je vlogue, j'ai vlogué depuis tout aujourd'hui. Mais viens, Swan. Donc, aujourd'hui, on fête Noël en avance. Ouais. J'ai pris le repas et tout, on a été chercher toute la journée des cadeaux, etc. Non. Si, si. Des cadeaux? Pour ouais. De vrai? Genre ouais, les, ouais. Les cadeaux. Toute la journée, on est parti faire les cadeaux. Mais les petits cadeaux, pas les vrais cadeaux. Beaucoup de vrais cadeaux. C'est pas les vrais cadeaux, mais c'est beaucoup de cadeaux. C'est beaucoup de cadeaux, c'est pas des cadeaux à 200 euros par cadeau, mais c'est oh, beaucoup, trop bien. Beaucoup de cadeaux. Donc voilà, vous êtes avancés, mes amours. On a gardé la surprise la journée. On voulait emballer les cadeaux, les mettre sous le sapin. Mais on n'a pas eu le temps parce qu'on vient de rentrer. Écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est que. Tout le monde va enfiler un pyjama de Noël. Ok, bref. Et vous redescendez pas tout de suite, je vais vous appeler parce qu'on va emballer les cadeaux avec papa. Bye bye. Attends. Donc là, mes amours, c'est parti pour la séquence emballage de cadeaux. Je vais vous filmer, monsieur va le faire mieux que moi, je pense. T'es motivé pour emballer tout ça? Ouais. Voilà, mes amours, j'ai fait deux tas, un pour Lilou, un pour Swan. Je vous spoil pas tout. Pendant qu'on va commencer à emballer, on va aussi mettre des trucs dans le four. On va commencer. Monsieur va faire les toasts. Ça va faire des toasts thon pour les enfants parce qu'ils aiment trop ça. Et vraiment, là, c'est Noël de la dèche. Ça veut dire que c'est trop bon et tout, mais c'est que du surgelé, hein. Flemme. On va pas faire deux fois des repas et tout, mes amours. Mais là, j'ai tout préparé, donc tu peux commencer à faire des petits toasts au thon. Et nous, tu fais au pâté. Ensuite, ça va décongeler tout seul. Il faut juste les mettre dans une assiette. Tu peux cuire les trucs comme ça si tu veux. Voilà, on va avancer. Les petits brioches sont déjà en train de décongeler, donc trop bien. Hey. Regardez son pyjama, mes amours. High level. Regardez mes amours, le mien. Et il est trop cute. Il
Mes amours, vous n'avez jamais vu des paquets cadeaux aussi mal faits de votre vie. Quoique, l'emballage est extrêmement mauvais. Très bien emballé, voilà. Ça. Oh, regardez, mes amours. Voilà, c'est vraiment papier cadeau de la flemme. De toute façon, les papiers cadeaux, ça finit arraché. Pourquoi vous vous prenez la tête? Hop, on regarde pas la beauté du packaging. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Là, dans celui-là, je suis encore loin d'avoir terminé. J'ai encore toute l'autre partie. Mais ça avance. Plus tu fais ça avec douceur. De ouf, vraiment. Ça se voit que tu... En fait, moi, j'ai juste envie qu'ils ouvrent. T'appliques vraiment? J'ai juste envie qu'ils ouvrent. Hop. C'est trop moche. Qu'est-ce que c'est moche? Le paquet cadeau. Attends, je vais le couper. Non, c'est magnifique. On dirait un petit bonbon. Éclaté. Non, par contre... Voilà, nous avons ce côté et comme ouais, ça. Ouais, mais par contre, là, t'as... Non, je vais au milieu du paquet. Mais regarde-moi ça, c'est un cadeau, ça. Regarde, là, c'est bien. Oh là 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 là. Il y a beaucoup à faire, donc on n'a pas le temps de... Mais ton cadeau, il y a des pieds. Regarde. Au moins, s'il tombe, il ne se cassera pas. Là, j'ai fait la petite pochette avec toutes les bombes de bain pour Swan. Et je vais faire la même pour Lilou. Et les cadeaux des chiens. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour les chiens. Moi, j'ai pris des cadeaux pour mes chiens. J'ai pris des cadeaux pour Momo. Et pour Sunny. C'est pour mes chiens. C'est du fromage. Viens aller chercher. J'ai trop hâte de leur donner parce que ça a l'air trop bon. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'ils vont jamais te répondre? Est-ce que tu vas le comprendre, ça? Ou bien t'entends des petites voix dans ta tête comme si qu'ils te répondaient? Ils me répondent. Ah, ils te répondent? Oui. Oh là 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 là. Si, si, mes amours, ils me répondent. Non, 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 non. Je dis, regarde. Maman, je veux mes cadeaux. Oui, je t'ai dit, Momo, ça arrive. Oui, ça arrive. Il y en a combien? Là, il y en a 11, mais il y en a que j'ai emballé 3 par 3. Donc, en fait, il y en a 11, mais il y a des paquets où il y en a plusieurs. Et là, du coup, on en est à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut qu'il y ait le même nombre de paquets cadeaux. Surtout pour pas faire de différence. Tu connais, si t'as des frères et sœurs, quand tes parents font un cadeau de plus le jour de Noël, t'as la tête qui pend. Donc, il faut pas que ça se produise, mes amours. Oh non, mes amours, c'est trop beau. Je vous spoil, mais attendez. Un petit sac comme ça pour aller faire ses petites courses en Moot Moot Stitch ou pour la Disneyland avec le Bob. C'est quel genre de beauté ça? Le chapeau. Maman. Ah! Chante-nous ton nouveau son, allez. Non. Allez, vas-y. C'est dilui et vu que je viens d'avoir la grippe, non, c'est pas le plus facile à chanter. Allez, un petit peu. Fais montrer ce que t'as dans ta voix. Je l'en ferai sur TikTok. Ok. Vas-y, je coupe, plus tôt, c'est pas ce que j'ai demandé, je coupe. Mes amours, je vous jure que quand il sera sorti, je vous chanterai sans autotune, sans rien. C'est le moment de tout mettre sous le sapin. Avec les emballages de Lilou ici, on va pas leur dire qui est à qui, mais nous, on sait dans notre tête que les rouges, c'est à Swan, et que les blancs et les rouges, c'est à Lilou. On va mettre plein de cadeaux, ils vont arriver comme le matin de Noël en mode... C'est dans les films américains, mon amour. Parti. Mes amours, astuce, bien mettre en évidence qu'il y a beaucoup de choses. Voir le sourire sur leur visage à ces gosses mal élevés. Je rigole. Et pourquoi c'est toujours moi qui prends? Une carte bleue perdue, c'est moi. Quand il y a quelque chose qui va pas, c'est moi. Et c'est jamais toi. Jamais. Tu trouves ça normal? Hein? Tu trouves ça normal? Mes amours, il faut que je vous explique pourquoi on a fait tout ça comme cadeau. Parce qu'en vrai, c'est pas logique de faire tout ça comme cadeau avant Noël. Mais en fait, ils ont pas eu de calendrier de l'avant cette année et du coup, ils arrêtaient pas de râler, etc. Et tous les ans, je leur en achète un. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va faire des petits cadeaux comme ça, mignons et tout. Et au final, au lieu de faire 25 cases, on va en faire peut-être 12. Mais c'est des cadeaux un peu mieux, mais tout en restant dans un budget raisonnable. On va dire ça à compense. C'est presque fini. Par contre là mes amours, je suis obligée de vous avouer que j'ai la flemme d'emballer ceux pour les chiens, donc je vais vous les montrer ce que j'ai pris. Mais je leur mettrai là-dedans dès que ce sera vide, mais vas-y c'est... Toi disant mes bébés ils n'ont même pas le droit d'emballage. Il y a encore au moins 10 cadeaux pour chiens. Tu trouves ça normal que tes bébés n'ont pas le droit d'emballage? Et bah fais-le si t'es pas content. Bah je vais le faire, y'a pas de problème. On doit encore décorer la table et tout. Ah oui, tu m'en veux pas? Dis la vérité, tu veux un emballage? Oui ou non? Et en fait, c'est pas grave, qu'est-ce que tu casses les bureaux? Je me rends compte que je deviens fou comme toi. Je parle à mon chien? Non! Mais non, il répondra jamais! Jamais il va répondre, pourquoi je lui parle? Non, non. Ah, c'est Momo! Ouais, connard! T'as vu? Bon, on termine avec ça, mes amours. On appelle Lilou et Swan, on va mettre la table de Noël avec eux. On va débarrasser tout ça et on se retrouve pour le repas et l'ouverture des cadeaux. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh là 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 là. Oh là! Oh!
Ils se battent pour les cadeaux. Ou ils se battent pour les cadeaux. Oh non, non, non. Il y en aura pour tout le monde. Ça se fait des esprits. Non, regardez mes amours. Regardez. Alors, c'est le cadeau pour Momo et Sunny. Il y a aussi pour Junkiero. Mais je peux pas les mettre en même temps, mes amours. Junkiero, obligé de tout le temps. Un coup, laisser une heure Sunny Momo ici. Un coup, laisser Sunny Momo ici, les autres dans une autre pièce. Et un internement parce que ils se battent et j'ai peur d'en retrouver un mort. Donc voilà. C'est des gâteaux pour chien, des Stitch. Regardez. Regardez, mes amours. C'est trop mignon. T'as vu? Il sait que c'est pour lui. Tiens, mon Momo. Tiens, mon Momo, c'est pour toi. Oui, je vais leur donner en avant-première parce que c'est aussi mes enfants. Tu veux quoi? Un petit os de Noël? Ok. Et toi, tu veux lui? Ok. Attendez, je vais donner. C'est des petits gâteaux, mes amours, mais c'est vraiment trop mignon. On dirait vraiment des sablés pour un humain. Bah, c'est normal, c'est des humains. Ah, attendez, hein, désolé, je mets 1000 ans. Et voilà, tout ça pour le casser. Alors, on va le partager. Voilà le gâteau. Tu l'avales pas tout rond. Avale pas tout rond. Eh bien. Ah, il a recraché. Mais punaise, mes amours, c'est à calvaire le bail. Voilà pour Sunny. Il était dégainé pour manger. C'est bon, Sunny. Le gâteau. Sunny. Bon, mes amours, c'est parti. On appelle les Ousmane. Et voilà, mes amours, c'est bon. Tout est là. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré le sapin. Cette année, on l'a fait en mode Mickey. Vous voyez pas trop bien parce que bah, du coup, on a dansé le soir. Mais c'est Mickey pailleté et Minnie. C'est trop cute. C'est trop cute. Il y a tout ça comme cadeau. Ils vont halluciner quand ils vont descendre. Avec la petite cheminée et tout. Les petites plaids de Noël. Oh, c'est trop mignon. On va les appeler. Lilou Ousmane, que Noël commence. Cache pas leur moment, toi. Hey, tu verras le nombre de cadeaux qu'on a eu à emballer. Petit cadeau. C'est pas trop petit cadeau. Voilà vos cadeaux de futur Noël. Il y en a là et il y en a là. Hein. Je sens qu'il y a au moins, il y en a au moins 10. Non, allez, au moins... Faites une danse de la joie ou je vous les offre pas. Je sens qu'il y en a au moins 5 des leurs. Je sens la... 5 quoi? Il y en a pas pour nous. Il y en a pas pour nous. Genre du papier toilette, des bananes. D'accord. Je suis sûre qu'il y a moyen que ça. Comment elle disait? Je suis sûre. Mais t'es trop fort. Les amours sont même pas contents parce qu'ils pensent qu'on les prank. C'est horrible. Il y a vraiment pas de prank par contre. Donc ce qu'on va faire là, on va mettre en place la table de Noël. J'ai acheté les décos que je vous ai montré tout à l'heure. C'est parti, vous nous aidez? Alors là, je tiens vraiment à cette maison en pain de peace. Elle est magnifique. C'est pas un prank. Elle est incroyable. Non, bah, je crois pas vu le budget que j'ai dépensé dedans. Je me suis dit, Lilou. Je me suis dit, Lilou. Ma parole, si je mange, je suis la reine des menteuses. Si tu manges, tu vas en manger. C'est pas mignon ça? Doucement. Swan, doucement, je ne veux pas le casser. Comme vous le voyez, le côté de mon sapin est nu. Je voulais des autres boules dorées et rouges, mais je n'ai pas trouvé. Donc bah, il va rester comme ça, il va être beau que de l'avant, mes amours. Hop, c'est parti. On met en place la table et on vous montre. Quel genre de débile, on met la table et là je me rends compte que bon, on les a pas lavés, il y a même encore les étiquettes, donc on va les laver, on va mettre les verres etc et on revient. C'est bon mes amours, la table est posée, Lilou est en train de laver son dernier verre. Et je suis trop contente de ma table mes amours pour un faux Noël, sincèrement c'est très joli. On va mettre Marie-Cara à fond dans les oreilles. Regardez, ces petits pampiers cadeaux, des petits paquets cadeaux, mais en vrai c'est du pâté, enfin en fait je crois que c'est du foie gras, mais j'aime pas le foie gras, mais mon chéri va le manger. Comment ça c'est un faux Noël, hein? Comment ça c'est un faux Noël? Ah, on doit prendre aussi tes petits trucs aux escargots là. Je suis pas au courant que c'est un faux Noël, moi je veux un vrai Noël. On a les petites pommes d'amour, les petites pommes d'amour salées. T'en veux? Non. Vas-y, on va le faire avec Swan parce que vous comprenez pas. Le comment dit, c'est bon. Non, Swan, il aime pas ça. Attends, je le fais. Dis oui. T'en veux? Oui. Non. Vas-y. Non. Non, tu dois faire. Et moi, je te mets. Vas-y, mais après. T'en veux? Non. Ma grippe, ma meuf. Bon, bref, mes amours, vous me laissez me présenter. Pâté, thon. Mini burger montagnard. Mini burger, mini burger classique. Et voilà, hein, c'est trop mignon. Et ensuite, on va faire la suite du repas. Bon appétit.
nous. Mes amours, c'est parti, vu que Lilou et Swan, comme chaque année à Noël, ne savent pas attendre, ils ont mangé 3 toasts de burger. Et que ça mise bouche, ils veulent déjà les cadeaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur offrir un cadeau tout de suite pour qu'ils comprennent que c'est pas un prank, parce que dans leur tête c'est un prank. Donc on va leur donner un cadeau. Lilou, c'est pas un jeu, la nourriture. Et après on continuera la nourriture et tout à l'heure tous les cadeaux. Donc au hasard, mais elle regarde quand même bien les paquets. Au hasard, parce que je sais pas trop. Non, je sais plus qu'est-ce que c'est. Donc je prends au hasard. Tu sais c'est à qui au moins? Oui, je sais. Oh, à la forme des paquets. Donc je vous donne un cadeau au hasard. Ce n'est pas le meilleur, c'est pas le pire, mais voilà. Alors, on commence par Lilou. Sonia, tu as besoin de la chaîne, mais tu attends que Lilou. Non, tu touches pas. Tu touches pas. Lilou, essaie de deviner ce que ça peut être. Non, ça ne touche pas. Déjà, c'est pas quelque chose que vous pouvez vous douter parce que c'est des trucs qu'on a pris en mode. Ah, que vous aimez bien, mais que vous n'avez pas du tout d'idée. C'est Stitch. C'est un miroir? Ouh. Attention, ma petite maison, par contre. Oh, c'est trop mince. Un petit miroir beauté Stitch, lumineux. C'est trop mince. C'est mignon? Ouais. Non, il est trop mignon. Like up miroir. Je le donne. À toi, Sohan. J'ai fait des habits ou un truc comme ça. Hein? Des habits ou un truc comme ça. Lui il est super sérieux, il est en mode analyse, docteur de l'univers et tout. Il fait du gros. Oh, elle est trop bien. Victor voulait une à Disneyland. Oh, ton bec va le casser, maman. Merci, maman. Elle est mignonne, non? Ouais. Dis-le si t'aimes pas. Moi j'aime bien, mais à chaque fois c'est chiant de faire une réaction, enfin. Non, mais t'inquiète. C'est bizarre. Et du coup, il fait de la lumière comme ça, elle est mignon pour dormir avec. Ouais, j'aime bien. Oh, elle est trop chou. Merci. Voilà, c'est un petit cadeau. Un parmi tous les cadeaux. C'est bien? Ouais, j'aime trop. Ok, donc on continue le repas, mes amis. Girl, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est Noël! C'est Noël! Et il faut s'offrir un cadeau aux chiens. Justement, j'ai pris au moins 10 cadeaux pour les chiens. Mes ouais. Amours! Justement, les 10 15, tout ça passe. Ah, bah justement, je vais aller vous chercher un cadeau. Mais chérie, c'est Noël calme, parce que vu qu'on filme avec vous, on peut pas mettre la musique et tout, sinon on va être démonétisé. Donc, bah, du coup, c'est un peu Noël sans musique. Je vais leur donner ça. Voilà! Oh, trop stylé! Un frisbee Marvel, mon amour! Oui, bien! Vous aimez? Tiens, attends, Lilou, tiens, donne-leur. Il y a un ciseau là-bas si tu veux. Ah, ils aiment! Allez chercher! Il est pas passé pour moi. Et voilà! Pas de dispute! Mes amours, dans pas longtemps, ils vont se battre, et voilà! Pas de bagarre! Oh my god! Voilà, c'est une Swan. Je vais donner un autre. Eh! Oh là là! Bon, alors, comme avec les enfants, quand ça fait des caprices, eh ben, vous l'avez plus! À peine eu! Et je le pose ici, voilà. Parce que j'ai oublié de vous expliquer que du coup, en fait, on était parti sur un concept calendrier de l'Avent. Mais genre, des plus gros cadeaux. Et pas 24 cases, mais plutôt 12. Il y a des cadeaux, il y en a plusieurs dedans. Oh! Il y a tout bouffé. Non. Manger, s'il te plaît. Manger, pardon, excuse-moi, mais... Non, mais là, elle est en puberté, il y a tout bouffé. Non, mais elle a des boutons de mono-sourcils. T'as pas mis ça, un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent, en fait. Mais ça, moi, je pense que c'est dingue. Non. Mais mes amours, ils pensent vraiment que c'est un prank et du coup ils sont limite dépités à la sont en train de me saouler. C'est elle qui pense que c'est un prank. Après on va pas vous filmer tout le repas comme chez les bofs hein, parce que tu vois les bofs qui mettent la caméra sur le côté et on voit tout. D'accord. On a bien avancé. Il reste plus rien maintenant, on va passer au... Et t'as un cadeau. T'as ramené son jouet. Voilà. On passe au... Cadeau! Au plat principal qui sera frites sur son lit de flageolet accompagné de sa tranche de rôti à la mayonnaise truffe. C'est parti, mes amours. On va leur donner un autre petit cadeau. On débarrasse, on leur donne un autre petit cadeau pour patienter. Bon, c'est parti, mes amours. Deuxième cadeau avant de continuer le repas. Et je vais prendre au hasard. Au hasard, mais choisi. Je prendrai ça au Swan, mais tu attends. C'est moi qui commence. Cette fois, c'est moi qui commence parce que c'est Lilou qui commence. Tu ne touches pas, sinon on sait. Ah non, j'ai dit elle va à côté de Lilou. Va à côté de Lilou là-bas. D'accord. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais il y a écrit Jingle Peace dessus. Tu ne dis rien et tu te fais. Tu ne touches pas, Swan. Sinon, c'est de la triche. Et pour Lilou, on va prendre. Mes amours, je sais pas trop quoi prendre pour Lilou parce que j'ai dispersé. Hein. Je sais même plus à quoi en vrai de vrai. Je vais prendre ça. Lilou, elle a un peu plus de cadeaux aussi, je tiens à préciser. Pourquoi? Tu comprendras pourquoi. Ok, il y en a qui sont beaucoup plus chers. Assois-toi. Assois-toi. Touche pas. Je commence. C'est des habits, ça. Non, ne touche pas. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose.
Ah ouais, sur un en premier. Là, il reste bah, 3 minutes. Enchante la vie. Enchante la vie. Attention, mes assiettes. Oh, mais avec c'est ça. Même que toi. Non, regarde, regarde. C'est un clavier gaming. Oh, merci. Tu veux nous le montrer? Vraiment, ça, normalement, ça méritait d'être un cadeau de ton Noël. À toi, ah, parce qu'on aura un autre Noël avec encore des cadeaux. Bah ouais. C'est un... C'est un truc de Pokémon, déjà. C'est un coussin Pokémon. Les amours, vous avez pas vu ça, mais on a acheté un but bizarre en coussin, en peluche. Trop beau. C'est incroyable. Voilà. Tu notes combien ce cadeau sur 10? 10. Et toi, Sohan? 30 000. Il est tout. Je voulais trop en plus. Ah, oh, ce soir, je dors dessus. Comme ça. Et voilà. Donc, du coup, on va continuer le repas. On va débarrasser la table et. Regarde, enlève-moi ce cochon. Après, un autre cadeau. Bon, mes amours, c'est parti. Voilà la tranche de viande. Je déteste la viande, mais j'ai fait un effort parce que c'est Noël. Petit flageolet à l'ail et frites. À la bonne franquette, t'inquiète. À la bonne franquette, t'inquiète. Ouais, les amours, parce que voilà, moi je sais pas comment ils font les gens pour manger des chaperons, des trucs, des truies, des dindes, tout ce que tu veux. Là franchement c'est bien. Lilou elle aime pas la viande par contre, donc elle a pas pris de viande. Bon appétit tout le monde. Soyez contents de vous avez dans votre assiette. Voilà, là regardez mes amours, en vrai c'est beau comme ça et moi je vous fais un vieux plan sur ça là. Bon, bon appétit tout le monde mes amours, je coupe parce que c'est Noël, tu connais, voilà, vous êtes dans notre intimité mais faut pas abuser quand même. Ah, et puis la petite sauce truffe de chez Lidl. On adore. Lidl, t'as la base. Lidl, ma vie. Sont bonnes les frites. Oh, quand même. Sont bonnes les frites ouais. C'est à la graisse de canard. Pour de vrai? Bon, mes amours, c'est bon. On a terminé le repas. Il nous reste que le dessert. Et je me suis dit que du coup, on allait passer à la petite séquence Mère Noël. Du coup, j'ai. Ah! Du coup, mes amours, chacun son tour pour s'asseoir sur la Mère Noël. Et la Mère Noël va leur donner des cadeaux. Tu as été sage? Oui. Hein? Oui. T'es sûre que t'as pas embêté ta maman? Non. T'es sûre? Elle m'enferme dans la cave. T'es sûre que t'as pas embêté ta maman? Alors, c'est toi qui as choisi ce cadeau. Alors, on va donner un cadeau à Lilou. Ah. C'est quoi ça dans le paquet? Ah. B. J'ai une idée, mais je suis pas sûre. C'est impossible, tu l'as jamais vu. C'est un squishmallow. Je sais même pas c'est quoi un squishmallow. C'est Micromania. Ouais, Lily. Arrête, c'est quoi alors? C'est un poulpe Stitch. Elle connaît tout, ouais. Il connaît. Il y a un côté Stitch et un côté Angela. C'est Angela, ça? Angela. Tourne. Bah, j'ai laissé le prix, mes amours. Parce que au cas où elle aimait pas. Allez, dégage. Hop, au suivant. T'as été sage? Non. Oui. Il est jamais content. C'est des bracelets lumineux. Bon, vas-y, ouvre ton cadeau. Pour faire la tectonique. La tectonique. Cet enfant, regardez les lumineux, mes amours. J'espère que tu vas pleurer pour ce merveilleux cadeau. Parce qu'on a mis du cœur pour le trouver. Pour le trouver, celui-là. Ah, ça t'a détruit. Oh, il est trop beau. Ouais, il est beau, hein, il est grand en plus. Voilà, mes amours, le tapis que vous avez vu tout à l'heure que j'ai acheté à Action, celui-là. Merci. T'as vu, il y a des beaux trucs à Action. Ouais, j'aime trop. Super, tu peux virer. Au revoir. Je t'ai pas déjà vu tout à l'heure. Chacun son tour, c'est mon cadeau. Ah non, ah non, 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 ah non, ah non, vraiment. Non, mon vraiment. Cadeau, j'étais sale, j'ai du bruit. Allez, mais moi aussi j'ai un cadeau. Bon, fais voir, je l'ai ton cadeau, d'accord? Il est où? Il est là. C'est une paire de Crocs. Regarde ton doigt, il est où? J'avais pas déjà vu tout à l'heure celle-là. C'est ma sœur jumelle. T'es sûre? Oui. C'est bizarre, elle avait le même bouton que toi. Oui, on est télépathiques. Alors, le lutin de Noël donne un nouveau cadeau pour cette petite fille. Ça, ça, voilà, ça l'a réveillé. Ça, c'est non, oui. Non, mais ça. Non, mes amours, moi je savais pas trop quoi prendre. J'espère que tu vas aimer. Hop, Stitch. Si c'est la elfe avec son truc quand elle est dans l'eau. J'ai trop peur. C'est une collection édition limitée. Ça se fait pas. C'est moi qui les collectionne normalement. Mais tu sais que j'ai hésité à la prendre soit pour toi, soit pour elle, mais vu que t'avais eu plus de choses, j'ai pris pour Lily. Oh, c'était un bon, on est à Micromania. Je l'ai vu. Elle est incroyable. Et j'ai dit à Sean, oh, tu l'as vu. Tu vois comment elle est trouvée? Il a pas derrière en plus. C'est vrai qu'elle est collectionnée, tu lui as acheté. Et
Mais écoute, Sauvage. Sacrilège. Allez, montre la caméra. C'est voilà, mes amis. Regardez, c'est école dans l'eau, elle fait des cauchemars. J'étais pas sûre que t'allais aimer, bah, je suis contente. Si, elle est trop belle. Mes amours, on continue. Est-ce qu'on n'a pas une pape pour lui? Voilà. Oh, il y en a deux. Mais le tableau, c'est barré. Ah, oh, mais ça va, il y en a une pop. C'est une pop. Oh, yes. C'est la pop Neymar. T'aimes? Mais oui. Bah, la deuxième, elle est trouvée. Oh, merci. Elle est trop belle. Elle est belle, hein? Ouais, ah, j'aime bien. Swan, une pop Neymar, mes amours. Tu pourras faire la collection de foot, Swan, maintenant. Non, mais elle, j'ai déjà vu, ça fait trois fois. Mais ouais, justement, ça fait trois fois que tu as déjà vu. Moi, j'ai lu. Non, moi. Là, par contre, tu peux me donner les cadeaux si tu veux. Là, c'est ma personnalité bébé. Voilà, essaye de deviner ce que c'est. Oh, oh. Mais tu vois un petit sur... Bah écoute, on adore. Hein. Un masque pour le visage. Un masque peel-off? Ouais. Oui. Une brosse nettoyante, mes amours, pour nettoyer le visage Stitch. Elle est trop mignonne. Et un petit masque Stitch aussi peel-off. C'est beau? Fais voir l'arrière. Oui. Non mais en plus, c'est la brosse avec laquelle je me démaquille tout le temps. C'est hyper doux pour le visage, ça. Allez, au revoir. Au suivant, mes amours. Là, il n'y a plus de tête de gros cadeaux, c'est des petits cadeaux. C'est nul. Mais c'est cadeau, mes soins. Oh, c'est un mec. Mes amours, il va le casser avant même. Il est cassé. Non. Il l'a cassé. Bon, ça ne doit pas non. Trop. Oh, ça va. Un mug pour faire des marshmallows. Waouh, c'est quoi? La l'ironie. Wow. Bah, tu mets ton petit chocolat et dedans tu mets les petits marshmallows au-dessus. Ah, trop bien. En fait, dedans il y a un truc pour faire du chocolat chaud. Tiens. Donc, je pense qu'il y a un sachet de chocolat chaud aussi. C'est mignon. Non, je te jure, c'est trop bien. Mais comment fait? Waouh. Wow, mais... bien. Bon. C'est que je sais pas quoi avoir comme réaction. Mais si t'aimes bien, parce que t'aimes bien Marvel. Si tu aimes, dis que tu aimes. Ah, 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 non, non, non. Ah, 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 ah. C'est pas la taille du cadeau qui compte. C'est pas un deuxième coussin, ça? Aïe, lolo. Oh, oh. Ouvre bien. Jure. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Mes amours, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est le petit bob en mousse. Avec le petit. Là, le sac, il est incroyable par contre. Bon, par contre, les bobs de bas, ça me va pas. Si, il est trop beau. Ouais, ça me va. Donc, ouais. Regarde, avec le petit sac. Regarde, non, mais quand tu vas à Disney et tout, c'est trop bien de mettre ton truc. Trop mignon. Va voir à la glace. T'aimes? Sac de ma... Mais oui! Oh, votre sac de madame! Allez! De retour. C'est mignon. Avec mon cul pointu. C'est pas fini. Ah. 100% stick-shot. Ah, mais... Oui, tu es avec son autre pointu. Ça, j'espère que tu vas aimer. Il y en a trois dedans, mes amours. Oh! Des constructions de voitures, un peu comme des Legos, mais on va dire... Eh, mais il y en avait déjà eu, ça, Swan! Oh, mais c'est trop bien! J'aime trop! T'aimes bien? C'est papa qui a dit que t'allais aimer. Il y a celle-là, mes amours. En twix. La black car, la race car vert et la construction car jaune. La race car! J'aime bien pour t'occuper. Ah, oui. T'aimes trop? Oui. Ah, trop bien. Au moins, vu que je suis punie, ben, je pourrais faire des choses. Voilà, vu qu'il est puni de jouer au jeu Peggy 18. Oh! My god! On peut pas se faire. Non, par contre, on va pas. Alors? Mes amours, on passe à celui-ci. Mais mes amours, vous allez vous dire, c'est quoi cette vidéo qui part en sucette avec le plan aspirateur là-bas? Vraiment à la flemme, hein. Ça tient pour faire des sablés. Des sablés Stitch. Allez. Un backhang set pour faire des sablés. T'as tout à l'intérieur pour faire des sablés Stitch, mes amours, c'est trop mignon. Et de toute façon, je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un peu un message subliminal parce que la dernière fois que j'ai fait des sablés, ils ont tous dégommé le pot. Mm. Ils m'en ont redemandé. C'est un petit cadeau, mais il est trop mignon. Ils sont pas autant bons que mes sablés à moi. Merci. Au revoir. On passe au prochain cadeau. Merci. Oh, mais non, c'est trop bien. Une machine à gaufres Star Wars. C'est trop bien. C'est trop stylé, non? Mais oui, c'est trop bien. C'est un truc de... Ah non, c'est pas... Je me suis dit que comme ça, quand tu t'ennuies, quand tu peux pas jouer et tout, tu peux faire des gaufres et tout Star Wars. Tu peux faire des croque-monsieur aussi, ouais, non? Tu peux. Ouais, mes amours, comme ça, il pourra se faire des gaufres Star Wars. On vous les fera sur TikTok. Je te débarrasse. Si Swan veut. Je te débarrasse. Si Swan veut, on vous en fera sur TikTok et comme ça, ben, vous verrez ce que ça veut. Moi, je veux lui. Non, c'est pas toi qui décide. Oh. Passe-moi le carré, s'il te plaît. Et voilà le prochain cadeau. Parfait. Oui, c'est lourd. Bah, attends, peut-être pas des luxures. C'est Stitch.
Oui, c'est Stitch. Ça vient de là. Pour faire des pop cakes. Tu veux des pop cakes? Moi, je vais pas faire des pop cakes. Ben, tu peux faire des cake pops. Cake pop. Stitch, regarde comme c'est beau. C'est incroyable. Et après, là, ils disent des cake pops, mais tu peux faire comme tu veux. Oui, des cake pops. Des cake pops, j'arrive pas à dire mes amours. En gaufre. Non, mais tu peux faire de la pâte à gaufre et tu le mets au bateau. Oui. Tu leur montres? Oui. C'est trop beau. Viens, rien que ça là. Attention, mes amours, on va activer. C'est trop beau. Alors, vous nous dites, mes amours, si vous validez les cadeaux en commentaire et votre cadeau préféré. Je sais mon cadeau. Là, mes amours, voilà, c'est un autre cadeau. C'est quoi? Le même truc que Lilou pour faire des sablés, mais en. Tu vois, ça, ce sera les activités, mon frère. On fera un atelier cuisine. Voilà. Non, mais c'est bien, non, atelier cuisine. J'aime trop. Tu t'ennuies. C'est trop bien. Et en plus, là, tu t'as vu, qu'on en faisait des Hello Kitty et tout, tu pourras en faire des Marvel. Spider-Man, du coup. C'est trop bien, j'aime trop. Non, mais alors, il y a l'heure, il m'a c'est trop bien, c'est trop bien. Et oui, c'est alors qu'il y a ma vie, il n'y a pas fait autant. Non, mais c'est bien, c'est des trucs qu'on pense pas, tu vois. Au suivant, Sophie, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous donner en même temps un cadeau. Ouais. Allez-y, asseyez-vous. Bah, tu regardes. Moi, on distribue aussi des cadeaux. Hein. Tu veux distribuer? Tiens. C'est Père Noël. 1, 2, 3, vous ouvrez en même temps. Merci. Papa Noël vous donne le cadeau. Alors ça c'est pour Lilou, ça c'est pour Soane. Ah, ouvrez d'un coup, vas-y, arrachez. Parce que sinon, vous allez... Ah, c'est des bombes de bain. Ça sent la banane. Je vous ai fait des bombes de bain. Mais c'est trop bien. Je vous ai pris des bombes de bain. Chacun des différentes. Et ça c'est ceux qui font arc-en-ciel dans l'eau, tu vois. Je vais prendre un bain. Ça c'est du bain moussant. Oh, c'est pour ça que ça sent trop bon. Comme ça. Ah, comme ça. Ah, comme ça. Ça, c'est du bain moussant. Ah, quoi? Ils sont énormes, non? Je les ai même pas pris pour moi. Hein. Mais j'ai que des bubble baths, j'ai pas de bombe de bain. C'est... Non, ça, c'est bubble bath, c'est. Non, ça, c'est bombe de bain. Non, ça. Bombe de bath. Oui, bombe de bain, bath freezer, bombe de bain, ça veut dire. Ah, que d'or. Ça, c'est des bombes de bain. T'as que deux pains moussants, c'est les deux là. Et. Deux pains moussants. Oh, c'est sûr qu'elle va être bien. Bubble bath. Et Soane, il a ceux qui font du coup les. Que quand vous mettez dans le bain, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La même en blanche. Celui-là et le petit diamant comme ça. Vu qu'ils sont tout le temps jaloux quand je fais des bains sur TikTok, je me suis dit comme ça ils pourront faire les leurs. Donc voilà. Attendez, je vais vous donner les autres. Allez mes amours. C'est presque la fin, ma chérie. Donc voilà, ça vous est bien les derniers cadeaux. Un respirateur Dyson. Il y a plusieurs choses. Ah, il y a beaucoup de choses. Ah, moi je ne regarde pas le. Ça, j'ai trop le seum, tu me le prêteras. Oh, tu donnes des lunettes de toc. Tu dois mettre au frigo et c'est tout frais pour dégonfler les yeux. Enfin bref, on enlèvera après, mais... Attends, bah, tu sais quoi? C'est bon. Et chérie, c'est les trucs skincare que quand vous avez les yeux gonflés ou que vous êtes fatigué, vous mettez... Enfin, moi, je me suis dit quand t'auras des migraines, tout frais sur les yeux. Des migraines, tu les comme causer des migraines dans les yeux. C'est trop beau en plus, incroyable. Là, vraiment, mes avances, je suis jamais... Là, est-ce que je serais pas séduisante comme ça? Ah non, est-ce que vous avez vu ces nouveaux cheveux? Bon là ils sont pas très bien, c'est pris la pluie etc. Mais je vous mettrai une photo quand elle est coiffée juste à côté. Lilou s'est fait des mèches blondes. Vous voyez avant moi je sais pas ce que c'est. Un coffret de bombes de bain qui est... Tu l'as pas pris genre? Non, je l'ai pas pris. Tellement cute. La dernière chose, j'espère que t'aimes parce que je savais pas du tout. Mais y'a que des pots. C'est monsieur Frédérickson. C'est moi le collectionneur de pots. C'est monsieur Frédérickson. En fleurs. Oh, ça se fait pas. Alors là, ça se fait pas. Non, hein? Je suis désolée, ça se fait pas. Trop mignon. Dans là-haut, mes amours. Non, elle est trop cute. Il est trop cute. Mais et vu que moi... Vu que moi, j'adore les vieux et les vieilles, je sais pas ce que j'ai avec ça, mais quand je vois une personne âgée, je les trouve trop mimes. Mes amours, il va finir d'ouvrir ces deux derniers, parce que c'est deux petits cadeaux. Ça et vu que Soane avait eu un gros cadeau qui... Ça va, j'ai mis un cadeau de plus. On a compensé. Non, t'en as plus qu'un de plus. Mais t'en avais trois, là, dans un. Ah oui, oui. Mais c'est des petits, c'est des tout petits. Oui. En fait, au final, vous avez quasiment le même budget. J'ai vu le logo PlayStation, je sais que c'est des cartes. Non. Des stickers pour play, manettes, etc. Parfois, oh c'est tout décoré, tous les trucs et tout. Oh non, c'est trop bien. Ça te voit? Plein, hein, y en a plein. Stickers de manettes, mais non. Oh, c'est trop bien. Non, c'est la transparo. Nous avons, il y a vraiment plein de plaquettes à l'intérieur. C'est trop bien. Et le dernier, du coup, vu que tu deviens un homme. Attends, voilà. Attends, homme, papa a dit. Regarde pas, est-ce que c'est. Papa a dit que vu que t'étais un homme, il fallait ça. Un parfum Adidas, c'est pas beau gosse ça? Entends-le. Vas-y, mets-le sur toi. Vas-y, il va dans tes yeux. Il y en a mis dans sa bouche. Mais j'espère qu'il est bon ou quoi?
Ça sent le bonhomme, ce quoi. Sont les hommes, ouais. Voilà, le matin, alors, tu mets un spray avant d'aller à l'école, beau gosse. Hein. Ouais, ça les joigne. Plus tu vas mettre un spray, plus ta barbe va pousser. Swan. Oh, alors là. Vas-y, vas-y, vas-y. Swan. Alors, Swan, ça, quel goût. Non, mais il est fou. Et voilà. Alors. Tiens, Swan. Tiens, 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 mets tout dedans. T'es content? Ouais, je trouve. Allez, et les trois derniers de Lilou, mes amours. Ah oui, ça sent. Il est incroyable, le gloss. Tu l'as essayé? Je l'ai pris le même. Ah oui, ça, je l'ai vu. Oui, bah du coup, ça aussi, j'ai pris le même. Un petit masque skincare Barbie en tissu. Et alors, un scrub pour faire la crème à la peau. Un gloss. Et un gloss pailleté, mais incroyable. En plus, je suis grave dans ma période de gloss. Là. Non, mais là, il est trop beau. Je l'ai vu, je me suis dit quoi? Oh, vu comment il brille. Lips plumper. Plumper? Ouais. C'est pour faire me faire rentrer? Un peu. Après, je l'ai pas testé. Ah, il est trop beau. Il est beau? Oui, il est tout pailleté, un peu de neige. Ouais, trop beau. Magnifique. Incroyable, les hommes. Ah, mais j'ai trop beau, moi. Il est beau, hein? Ah, mais oui, mais oui. On dirait un suppositoire. Tu fais sentir? Ça, t'as le chien qui ronfle et tout, mes chéris, je suis désolée, mais vraiment. C'est pas un chien. Là, ils ont vraiment le seum, je crois. Il est trop mignon. Voilà, au suivant. Vous voyez, mes amours, des fois, si vous n'avez pas trop d'argent, vraiment des petits cadeaux comme ça, c'est trop mignon, ça coûte pas cher. C'est un masque pour les yeux. Encore un Stitch. Drôle. Pas trop ce que je t'ai parlé avant. Quoi, tourne. En matière kawaii là, doudoune. Tu m'en as jamais parlé. Tu sais, je t'ai dit, j'ai vu une poupée Barbie et tout. Que je voulais m'acheter. Oh, bah, j'ai acheté ça. On dirait vraiment un manteau de derrière, je me suis dit, oh non. De ouf, regarde. Elle est trop jolie. Mais regardez, elle se plaint que j'ai trop de trousse. Même en offre. Moumou, va mon flyer. Non, mais elle est trop belle celle-là par contre. Ouais, allez. Regardez, mes amours, vraiment, elle est trop belle. Toute, toute rebondie et tout. Le dernier cadeau, mes amours, de Lilou et le dernier cadeau de ce Noël en option. Une peluche. Je ne sais même plus ce que c'est pour de vrai. Je veux savoir c'est quoi. Ah si, j'adore. Je sais c'est quoi. C'est la des meilleures. C'est le singe qui... C'est ça? C'est le singe qui met les pouces dans sa bouche. Comment, ça comment tu pourrais savoir ça? C'est ça? Comment tu pourrais savoir c'est ça? C'est les kikis. Comment tu... C'est un kiki spécial. C'est un kiki au gros. Même le vendeur il a dit mais on ne savait même pas qu'on avait ça, c'est incroyable. Mais avant c'est un Kiki collection bah, genre manga un peu coréen, enfin comment on dit japonais. Japonais, enfin. C'est il est trop en déguisé en chat japonais là. Putain j'aurais pris pour moi même tellement. T'as vu comment je sais? Du coup bon il suce pas son pouce, mais regardez. Trop fort. Il est, c'est le petit Kiki comme ça, mais il est trop mignon. Ah non c'est trop. T'as vu comment on me teste? C'est trop comme il est beau. Comment tu sais ça? J'ai touché ça, je me suis dit c'est une peluche, après j'ai touché ça. Toi t'as dit, je le veux trop. Et toi les kiki Il est trop beau. Ça va plus bizarre dire comme ça mais bon. N'importe quoi. T'abuses. Non il est trop beau. Ah bah lui il va être dans mon lit. Mais j'ai trop de peluches dans mon lit hein. Non mais ça c'est pour mettre dans ton étagère bibliothèque, c'est pas pour mettre dans ton lit. Oh c'est vraiment pas une peluche, oui, c'est oui. Comme c'est limite une statuette. Enfin c'est un objet de déco, c'est pas, je... c'est pas une peluche. T'es sûr que tu t'es pas trompée? Ça c'est pas à moi. Non c'est à moi. T'inquiète pas, c'est à moi. Vous êtes content? Ouais. Combien vous notez les cadeaux? Quoi? Il y a encore un embrouille de chien. Si jamais vous voulez une partie où c'est Lilou et Swan, on leur donne un budget et doivent nous faire des cadeaux un peu comme un swap, vous nous dites dans les commentaires. Mes amours, je disais avant que ça coupe à ma face, si on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Moi. Et suivez-moi sur Insta, je vous mets mon Insta ici, etc. On s'en sort bientôt. Je vais vous offrir plein de cadeaux à vous aussi. Mais non, mais... Ah non, tu vas me casser le dos. Arrête. Mais ça va pas, non. On n'a pas fini le dessert en fait. Ah non. Qu'est-ce que tu fais toi? On n'a pas pris le dessert. Ah oui, c'est vrai, moi j'ai. Oh non. Depuis tout à l'heure, je pense qu'à ça. Les chiens me saoulent. Mes amours, on a oublié de prendre les desserts, mais nos desserts, ça sera ça et ça. Ça. Mais là, ça c'est ça, j'ai plus d'espace. Regardez les bébés. Il y a une gamelle, on a pris une gamelle The Grinch. Ensuite. Des petits gâteaux comme ça en forme de petits bonhommes. Ah oui, j'ai pris ça pour habiller un des chiens. Et ça, c'est pour les chihuahuas, du coup, le même. Trop mignon. Ça, c'est des petits gâteaux Stitch, je leur ai donné un tout à l'heure. Ensuite, ça, c'est pour aussi les chihuahuas, des petits macarons, trop mignons. Et des petits os aussi comme ça, friandises Stitch.